En 2020, j'ai sorti une vidéo sur le Honda CB750 Fort. Alors ça m'embête un peu de te le dire, mais si tu veux avoir une base forte sur ce que je vais te raconter aujourd'hui, eh ben je t'invite à aller regarder cette vidéo pour comprendre un petit peu d'où l'on vient. Parce que ouais, même si c'est un peu tarabiscoté, eh ben il y a un lien entre le sujet du jour et la CB750 Fort. C'est que cette moto, eh ben elle a bien failli tuer le marché européen. Comment? Pourquoi? Eh ben c'est pour ça que je vais vous raconter l'histoire folle d'un concept propre. Aux années 60, 70 et 80, les UJM, ou Universal Japanese Motorcycle. Mais pour ça, revenons un petit peu au départ de l'histoire de la moto japonaise. Parce que les années 50 et 60 sont marquées encore par la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction des différents pays du conflit. Avec entre autres l'aide américaine du plan Marshall, l'Europe occidentale sortie exsangue de la guerre retrouve en seulement 5 ans son niveau de vie d'avant-guerre. S'en suivront alors 3 décennies de croissance économique avec une moyenne annuelle de 4,6%, la période dite des 30 glorieuses, comme le dit très bien Jean Fourastier dans son ouvrage « Merci étoile pour la culture ». L'exode rural est important, les villes s'étendent et la consommation des ménages se développe. Le rattrapage technologique vis-à-vis des États-Unis, notamment le développement de la télévision, y change drastiquement les habitudes de vie dans tous les foyers occidentaux. Le rêve américain devient réalité. Les ménagères, concept qui a si mal vieilli où les femmes restent à la maison et à leur place de l'époque, à savoir la cuisine, achètent des machines à laver le linge, puis à laver la vaisselle. Les Français s'enrichissent, le chômage tombe en Europe à 2,4% de la population active et les premiers lotissements de maisons individuelles préfabriquées se multiplient. À chacun, son home sweet home. Le monde de la moto est alors marqué par deux tendances. Les Occidentaux perpétuent leur niveau de compétitivité et de dominance du marché et guettent de loin un nouvel acteur dont on prête assez peu d'attention, les Japonais. Et c'est là qu'il faut se rendre compte de la puissance des Japonais, parce que ruiné après la capitulation, le pays doit d'abord lutter contre la famine de sa population durant l'occupation américaine, avant d'accepter le plan Dodge en 49, plan visant à rendre indépendant économiquement le Japon dans les années qui suivront, en luttant contre l'inflation d'abord et en réévaluant le yen par la suite. Le Japon commence à redémarrer économiquement en 52, point de départ d'une autre période dorée de l'autre côté du Pacifique, le miracle économique japonais. Pendant alors 3 décennies, entre les années 60, 70 et 80, la croissance du Japon est spectaculaire. Durant le boom Izanagi, donc dans les années 65-70, le produit national brut du pays croît à un rythme annuel de 11,5%. Et dès 1968, le Japon devient la deuxième puissance économique mondiale, derrière les États-Unis. Bon, j'essaye d'aller un peu vite et de schématiser parce que on n'est pas là pour parler géopolitique, mais surtout en fait pour parler moto. Dans l'Europe de la fin des années 60, le marché moto est dominé par des marques à l'identité forte que sont Ducati, MV Agusta, Harley Davidson, qui connaît notamment une forte domination auprès des jeunes grâce à la mode de Johnny au rock'n'roll qui déferle dans les PMU et les dancing. Mais surtout avec les Anglais, qui dominent le marché. Royal Enfield, Triumph et surtout BSA et sa Gold Star, et Norton évidemment, et sa Commando. Parlons-en un petit peu d'ailleurs de cette Commando, hein, parce qu'elle est en fait la moto standard de cette époque. Gros bicylindre d'abord de 745 cm3, il a ensuite évolué vers 850 cm3 de cylindrée pour pas forcément faire de la perf, mais créer une machine pleine d'innovation. La réputation des machines anglaises était de beaucoup vibrer, donc Norton vient créer un cadre baptisé Isolatic System, venant empêcher ou tout du moins diminuer les vibrations des composants les uns vers les autres. Idem pour Harley, l'Electra Glide de 65 est l'une des premières motos de la firme américaine à introduire un démarrage électronique, d'où son nom d'ailleurs Electra Glide. Enfin, on peut parler de la Rocket Gold Star et de son bicylindre parallèle de 650 cm3, l'une des motos les plus légendaires des années 60, basée sur l'une des motos les plus influentes de l'histoire, la BSA Gold Star. Mais ça, on en parlera dans ma future conférence sur des motos d'hier et d'aujourd'hui. Bref, dans le marché européen, ce qui domine, ce sont surtout les gros bicylindres de plus de 600 cm3. Mais ces motos vont très vite se retrouver dans le collimateur des futurs best-sellers en Europe, les japonaises. Mais c'est quoi en fait une UJM? Pour ça, il faut comprendre un petit peu d'où vient l'essor de la moto japonaise avec donc plusieurs points. D'abord la copie, puis l'essor du trail, et enfin la CB750 Fort. Dans la période d'avant-guerre, la production de motos n'était que de 1350 unités par an en 1930, et d'environ 3000 en 1940.
Le prix élevé des produits les rendait abordables uniquement pour les personnes les plus aisées des classes supérieures. Mais fondamentalement, la technique de ces années était représentée par des copies de marques britanniques et allemandes, de qualité et de caractéristiques inférieures aux originaux, qui n'étaient d'ailleurs déjà pas forcément fameux à l'époque. Parce que les européennes et les américaines, surtout dans ces années-là, n'étaient pas véritablement reconnues pour leur fiabilité. La production de motos est restée faible jusqu'en 1960, lorsque le nombre de motos produits a dépassé le million d'unités. Yamaha, Honda, suivis par Suzuki et Kawasaki, lancent alors une révolution qui passera par une toute nouvelle technique de communication, le marketing publicitaire. Honda est maître en la matière et les campagnes de l'époque font un tabac, notamment aux US. Des affiches pleuvent, des spots de pub sur les toutes nouvelles télécouleurs sont diffusés et on se souvient notamment de la fabuleuse campagne. You meet the nicest people on a Honda. Ça commence à s'intensifier sur les petites cylindrées. Là où les Européennes ont poussé la moto pour atteindre la puissance du poids et du couple et donc s'implanter sur plusieurs segments dans une quête accrue de performance, eh ben les Japonais sont arrivés avec une volonté. Créer des motos mécaniquement simples et surtout fiables et bonnes à tout faire. Universelles. Parce que grâce au miracle économique japonais, ils ont pu monter doucement en puissance en s'implantant sur un marché qui se développe en parallèle. La tendance initiale du scrambler, initiée par les constructeurs européens. L'idée est alors simple. En faire des motos légères, polyvalentes qui peuvent aller sur la route et sortir un peu des sentiers battus. Ce sont les premiers trail bikes. Ce revirement sera annoncé avec Yamaha et la création de la DT1-250, premier vrai trail décliné ensuite en 125 pour créer de l'accessibilité produit. Honda suivra le marché avec la Scrambler 350. Et le marché commence ainsi à s'ouvrir aux Japonais. Créer des copies et des tendances, s'approprier ces mêmes tendances en créant les standards, saupoudrer le tout d'un petit peu de marketing, et vous avez là un marché qui explose. Parce qu'en 65, 60% du marché moto américain est détenu par une seule marque, et c'est Honda. Le marché augmente de plus d'1 400 000 motos en un an. Et malgré tout ça, l'offre de Honda et des constructeurs japonais de manière générale reste faible, et se cantonne uniquement au marché du Scrambler et de la petite Honda CB450. Mais en vérité, quand Honda va sortir la CB750 en 68, je rappelle d'ailleurs que j'ai sorti une vidéo dessus, donc il faut aller checker ça, hein, et ben tout devient complètement explosif. La réaction à la fois du public et de la presse dépasse l'entendement, mêlant euphorie et surprise. Littéralement trop belle pour être vraie, avec un moteur sorti tout droit d'un 4 cylindres de GP pouvant atteindre les 200 km/h, un démarreur électrique et une boîte de vitesse à 5 rapports, elle a alors permis de faire tout ce qu'il y a de pire sur un marché. Assommer les concurrents. Ah ouais, parce que quand en face, il y a la BSA Rocket 3, qui semble complètement hors d'âge en l'espace de quelques semaines, et bah, il y a véritablement de quoi se poser des questions. Qu'on se le dise, aucune moto de l'époque n'était capable de rivaliser, et peu à peu, on sait, bah, les marques leaders qui étaient les Britanniques sombreront dans une période noire de ouf. Toute l'industrie moto est sous le choc. Et pendant qu'elle compte les morts, et bah, les Japonais font ce qu'ils savent faire de mieux à l'époque. Reproduire le schéma de copie, mais non plus en copiant les tendances européennes, mais bel et bien celle de Honda. Et c'est là qu'entrent en jeu Kawasaki, Suzuki et Yamaha sur le marché, qui voudront bien se tailler la part du lion en créant des motos à peu près similaires pour espérer battre la Honda CB750. Spoiler, ça marchera pas trop. Ainsi naissent les premières UJM, les motos universelles japonaises. La base est simple, reproduire une CB750 Ford, avec donc un 4 cylindres 4 temps dans une partie cycle rigoureusement polyvalente, capable d'aller défier les sportives, d'où le terme d'ailleurs de première superbike pour la CB750, tout en étant capable d'avaler les kilomètres et de passer presque pour une routière. Le tout d'ailleurs dans un prix assez raisonnable, ce qu'ils réussiront à faire, avec un bon niveau de fiabilité, ce qu'ils réussiront à faire, avec peu de vibration, ce qu'ils réussiront à faire aussi, bref, en reprenant toutes les codes de la moto européenne et en les claquant un énorme coup au sol. Et en fait, il faut se rendre compte, hein, en face, il n'y a rien, il y a R. Les Anglaises, ça vibre et c'est pas fiable. Les Allemands avec leur flat twin, ça fait pas forcément rêver parce que c'est pas très joli. Les Italiennes, c'est magnifique, hein, mais c'est vraiment mal fini. Tout en s'attaquant d'ailleurs aux motos américaines qui font un peu trop American Dream pour aller draguer de l'européen. Clairement, les Japonais, c'était un pari, c'était gagnant. Et le premier des Japonais à rentrer en frontal avec son 4 cylindres 4 temps de 750 cm3, eh bien c'est bien Kawasaki en 72 avec un 900 cm3. Le fameux Z1. Parce que oui, comme Honda avait raflé tout sur le marché du 750 cm3, eh bien ils ont décidé d'aller encore plus loin et de proposer une moto de 903 cm3, 81 chevaux, en étant à la fois aussi fiable qu'une Four, tout en étant plus rapide et plus agressif qu'une Four. Ces deux machines étaient alors les reines du segment, identiques sur le plan technique avec un démarreur électrique, des moteurs 4 cylindres 4 temps, et elle foutait une tannée aux européennes en étant plus fiable, moins chère et plus entraînante.
on a là l'une des premières vagues des UJM. Et c'est là toute la magie de ce phénomène, parce que c'est pas uniquement les motos qui sont universelles, mais c'est aussi leur force d'attrait et leur attraction. Tout le monde, littéralement tout le monde, des Américains aux Européens, des Japonais aux Australiens, tout le monde veut une moto japonaise. Un immense nombre de motards aura d'ailleurs son UJM et sera séduit par leur polyvalence et l'offre pléthorique de motos, fiables et accessibles, aura permis de combler un autre phénomène. C'est simple, hein, plus il y a de motos, plus il y a de motards, et plus il y a de motards, et bien plus il y a de motos. La popularité de la moto est alors en train d'exploser complètement. Le fait est là qu'on est dans les années 70, avec donc des standards des années 70. Quand on passe une nouvelle décennie, les besoins changent, et les standards aussi. Et c'est pour ça que dans les années 80, les constructeurs japonais archi-dominants sur la Sarmoto, qui n'ont alors que seuls concurrents eux-mêmes et quelques marques italiennes, BMW et les marques américaines, se spécialisent et commencent à créer des gammes. Tourer, moto réplica, cruiser. La mode arrive vers de la moto spécialisée, en fonction d'un usage et d'un type de conduite. Et là, les UJM, ça devient presque ringard. Basique. Tiens, d'ailleurs, on va garder le terme de basique parce que c'est bien comme ça qu'on les appellera dans les années 80 et 90 comme catégorie. Les motos basiques, ancêtres des roadsters. Et pourtant, ce sont bien plusieurs vagues du JM que l'on connaîtra. D'abord dans les années 80, la vague de motos de sport va créer une concurrence entre la Kawasaki GPZ750, la Honda Interceptor VF750F, la Suzuki XN85, puis la 1100S Katana et la Yamaha FZ750. On peut citer ensuite plus récemment le combat acharné entre la Honda CB500, la Kawasaki ER5 et la Suzuki GSE500, puis ensuite le duel entre la XJ600 des versions de chez Yamaha et la 600 Bandit de chez Suzuki. Et même si aujourd'hui le marché s'étend et chaque marque commence à faire un petit peu sa popote, on peut pas enlever de l'histoire ce qu'ont fait les Japonais et ce qu'ils sont, parce qu'ils ont fait plier un marché dominé de la tête et des épaules par les Européens et les Américains durant des décennies. En parlant justement des vaincus, qu'est-ce qui a changé dans la mentalité des marques européennes et américaines? Ça a quand même dû vachement cravacher pour revenir aux nouveaux standards des motos japonaises. Tout d'abord en travaillant sur la fiabilité et la simplicité des modèles, tout en réduisant les coûts de production et donc fatalement le prix de vente des machines. Quand une CB754 extrêmement fiable et populaire coûtait 1495$ en 69, ça battait contre une Norton Commando qui valait à peine plus cher ou alors une Electra Glide bien plus coûteuse mais bien moins fiable. La concurrence ne pouvait pas lutter. Deuxièmement, travailler sur la publicité, en la rendant plus en phase avec les jeunes. On parlera d'ailleurs un jour d'un campagne Honda dans les années 60, pour la sortie de la Super Cub, considérée par beaucoup comme étant la plus grande campagne de promotion moto de tous les temps. Troisièmement, cultiver la différence. Si tu veux pas faire des motos basiques, c'est libre à toi. Mais dans ce cas, tu vas devoir développer des motos spécialisées, des cruisers, des motos de sport, des trucs différents des UJM, pour espérer toucher un marché de niche, plus riche, plus concret, plus sectaire, plutôt que d'aller tâter du marché, de masse, quoi, visé par Honda et les cavaliers japonais. Et ce sera d'ailleurs le cas de pas mal d'acteurs, parce que Harley Davidson, Ducati, BMW et Moto Guzzi seront les marques qui essuieront le moins de dégâts, et soit créeront des motos axées sur la performance, soit créeront des motos axées sur le style. On peut alors penser à la R100 RS de chez BMW, première moto de série avec un carénage complet standard développé en soufflerie, ou la R100 RT, la première Rise Tourer qui va donner les lettres de noblesse de la nouvelle routière allemande. Ducati d'ailleurs, lui, ira plutôt chercher de la performance avec son moteur desmodromique et la fameuse Panta 500, élue en 79 comme étant la meilleure sportive de 500 cm3 de tous les temps. Ou la Scrambler 450, avec un cadre exceptionnel, utilisé même pour les motos de course, très rare à l'époque d'ailleurs, très élégante, très italienne avec ses formes arrondies. Enfin, Guzzi et son V7, imaginé pour équiper la police italienne, sera la première moto avec le moteur bicylindre longitudinal en V à 90 degrés, aujourd'hui iconique chez Guzzi. Et Harley Davidson, qui perd plus de 60% du marché américain entre 69 et 79, créera le premier vrai custom en 71, 2 ans après le film Easy Rider, avec la FX 1200 Super Glide. Faut comprendre que ces marques, elles ont innové pour être encore là aujourd'hui, toujours loin des japonaises, sauf BMW qui a bien rattrapé son coup, mais malgré tout, toujours présente. Les marques qui vont véritablement essuyer un revers, ce sont les marques anglaises, qui vont être les principales victimes des japonaises. AJS, acheté par Matchless, va s'éteindre tout comme BSA, Norton ou Triumph, et qui malgré le consortium Norton-Triumph-Villard dans les années 70, vont toutes progressivement fermer leurs usines. Et ça, si t'as vu ma vidéo sur Triumph, tu le sais. Aujourd'hui, AJS est de retour en produisant des petites 125. Norton vient de se placer sur un segment assez premium, avec la VS4V, sportive de ouf, vendue à 44 000 livres, et la Commando 961, qui reprend d'ailleurs le nom de la Commando d'origine,
avec un prix un peu plus correct de 16 500 livres sterling. Mais à part des passionnés, qui est prêt à acheter une Norton, donc un Roadster, à ce prix-là? BSA a été racheté par un groupe indien et tente de reproduire quelques motos comme la Gold Star en 2022. Et Triumph aura mis plus de 20 ans à réellement revenir sur le marché avant de commencer à être de plus en plus présente dans le monde de la moto, cultivant ainsi une image premium et assez chic encore aujourd'hui. Considéré à ce jour comme étant encore l'un des plus grands moments du marché mondial de la moto, l'arrivée des UJM par le biais de la percée fulgurante de Honda et de sa CB750 a eu un impact considérable sur la baisse de prix et l'augmentation de la fiabilité générale sur nos machines jusqu'à aujourd'hui. Et une question qu'on sera en droit de se poser, c'est est-ce qu'une autre percée de type UJM serait encore possible demain? Bah peut-être qu'en fait nous sommes déjà en train de le vivre sans le savoir, avec l'explosion de l'offre provenant notamment d'Inde et de Chine. Royal Enfield qui place sa Continental GT sur tous les marchés mondiaux, CF Moto, Zontes, des marques historiques rachetées comme Moto Morini, Benelli, AJS, Lonsin qui équipe les BMW et qui commence à sortir des motos, Bajaj qui développe des motos pour KTM ou Kawasaki, Honda et Suzuki qui commencent à produire en Inde. Toute la mondialisation se met en place avec la moto et la vague indo-chinoise qui continue de déferler sur l'Europe, proposant alors des motos encore moins chères, avec un niveau de fiabilité certes discutable, pas forcément excellent, avec un équipement de série toujours plus technologique et plus impressionnant. On peut aussi commencer à évoquer l'évolution du marché vers la moto électrique, qui commence timidement à prendre un peu de place, sans pour autant atteindre des volumes démesurés. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de toute cette vidéo sur l'avalanche de la moto japonaise? Pas sans doute qu'il faut être à l'affût de tout ce qui peut arriver sur le marché. Jamais se croire en position dominante et anticiper toutes les nouvelles tendances, afin d'évoluer en même temps que le marché, sans jamais avoir à le subir. Pour ici, il paraît assez évident qu'il faut évoluer vers des motos moins polluantes, des motos à la fois très techniques, mais aussi des motos bon marché, avec toujours un haut niveau d'équipement et de fiabilité. Et pourquoi pas aussi commencer à intégrer des motorisations hybrides, voire électriques, pour des marques généralistes. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il ne faut pas abandonner le thermique et faire des motos de 25 chevaux. Mais dans le principe, faire évoluer les tendances des marchés en fonction des attentes des clients et anticiper toutes les évolutions futures, ça permettra d'éviter la faillite de nombreuses marques extrêmement populaires. Parce que peut-être, on ne sait pas, mais dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, des marques que l'on connaît aujourd'hui et qu'on estime comme étant des leaders du marché seront peut-être disparues des radars. À tout jamais. Sait-on jamais. Mais en tout cas, on a bien vu que ça pouvait arriver. C'était Valoutre. Ciao !